Je sais pas où il est passé, je le cherche depuis plusieurs jours, mon rouge à lèvres. T'inquiète pas, je suis sûre que tu le retrouveras. Et si je le retrouve pas, je n'ai pas d'argent pour en acheter un nouveau. Le 14 février, c'est bientôt, tu pourrais demander à un gars de t'en acheter un. J'aimerais qu'Archie soit mon Valentin, oui. Et attends, voilà mon rouge à lèvres préféré. Mais c'est pas possible, c'est le mien, je me le suis acheté. Tu ne l'as pas acheté, tu me l'as volé. T'es en train de m'appeler une voleuse? C'est ridicule! Je suis certaine que tu l'as volé quand t'étais chez moi, Léona! Je te ne le pardonnerai pas! Excuse-toi tout de suite, sinon tu n'es plus mon amie! Tu rêves! Je ne veux plus te voir! Eh ben toi aussi, sors d'ici! Je vais me trouver une nouvelle meilleure amie! Parfait! Moi aussi! Oh, Alice! Serais-tu ma nouvelle meilleure amie, hein? Meilleure amie? Oui, pour toujours en plus! Sérieux, tu vas m'échanger moi, la star de l'école, contre cet intello? Hé, je peux t'entendre, tu sais? Je l'ai déjà fait! Allons-y, ma nouvelle meilleure amie! Prenons une photo et mettons-la sur Insta, d'accord? Ouais, c'est ça! Personne d'autre que moi n'aimera votre photo! Je crois qu'il va y avoir un test à l'école aujourd'hui. Hé, pétasse! Qu'est-ce que tu fais? On dirait que tu t'es assis à la mauvaise table! Mila a décidé de traîner avec Alice, maintenant. Qu'est-ce que t'as dit? Maintenant, je sais pourquoi elle n'est pas venue à la cantine. Elle vous a échangé contre cette perdante, Mila. Traître! Comment a-t-elle pu nous faire ça? J'ai tant fait pour elle. Alice n'a jamais été fiable, de toute façon. Elle n'a d'intérêt que pour l'étude et l'école. Maintenant, nous devons la remplacer. Hé, moi, je suis disponible. Je suis la fille la plus populaire de l'école. J'ai jamais entendu une chose aussi stupide. Eh ben, pensez-vous, nous avons des ennemis communes. Mila et Alice. Elle a raison, nous devrions nous unir au moins pour un temps. Bien, mais il y a une condition. Avant de rentrer dans notre groupe, tu devras passer le test des BFF. C'est quoi ce test? Le test des meilleurs amis. Accomplis quelques tâches et on t'acceptera tout de suite dans le groupe. Bon sang, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué ici, mais ok, je vais le faire. Hé, hey, qu'est-ce qui t'a mis en colère? Moi et mon partenaire d'entraînement avons été exclus de l'équipe de l'école. Comment ça? Je croyais que t'étais un des meilleurs boxeurs. Ouais, je le suis. Mais ils nous ont déjà trouvé un remplaçant, tu t'imagines? C'est qui? Je sais pas, mais je ne me gênerai pas de les frapper à la figure, imbécile. Hé, hey, les gars, regardez ce qu'on a! Des blousons tout nouveaux pour les tigres. Ha! Les tigres, plutôt comme les chatons enragés. Ouais, vous deux, vous êtes pas des tigres. Moquez-vous, moquez-vous, bientôt on deviendra champion de la boxe. Ouais, on est entré dans l'équipe de boxe de l'école. Qu'est-ce que t'as dit? On dit que des idiots ont endommagé la voiture de l'entraîneur, alors ils ont été remplacés. Ouais, il se trouve qu'un de ces idiots est juste ici. Qui vous traitait d'idiot, au juste? Mec, je plaisantais. Et maintenant, tu veux faire une petite blague, c'est ça? Calme-toi un peu, Cousia. D'accord, mais je suis pas prêt de vous pardonner. Allez, sortez d'ici, les chatons. Miaou! Oh, ce qu'elle m'énerve. Une poseuse narcissique effrontée et voleuse en plus! Peut-être que c'est pas vraiment elle qui a volé ton rouge à lèvres. Ah ouais, tu penses que mon rouge à lèvres s'est téléporté dans le sac de Léona? Mais ça n'a plus d'importance parce que maintenant, nous deux on est meilleurs amis, pas vrai? Oui, j'aimerais bien être ton amie, mais j'ai peur de la réaction que Gaëlia pourrait avoir. Oh, t'inquiète pas, maintenant que Léona est partie, elles vont se lier d'amitié avec moi très vite aussi. Oh, regarde! La voilà, la tigresse. Alors comme ça, tu répands des ragots sur nous à ta nouvelle amie? Non, vous avez mal compris. Tais-toi, tu nous as échangé contre une perdante. Mais c'est pas grave, on a déjà trouvé une remplaçante. Une remplaçante pour moi? Oui, et si ça se trouve, tu la connais très bien. Léona, t'es avec Gaëlia maintenant? Ouais, même une pauvre minable comme elle vaut mieux qu'être avec toi. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, c'était qu'une blague pour ennuyer Mila. C'est vous les traîtres, pas moi! Ne me demandez plus de copier mes devoirs! Vous n'êtes plus mes amis! Bien, on se débrouillera! Allez les filles, on y va! On dirait qu'on a les deux été trahis! Peu importe, qui se soucie d'elle? Maintenant on est meilleurs amis! Archie, allons à la cantine, j'ai faim! Sans moi, je suis fauché aujourd'hui! Allez, tu vas pas me faire manger tout seul, c'est nul ça! Si tu me prêtes de l'argent, j'irai avec toi! En fait, Archie, je crois que je sais où trouver du fric! Wow, tu vas soutirer de l'argent à Chuck et Phil? Bah oui, t'as un problème avec ça? Bah, c'est qui sont genre mes amis? Bah, ces amis ont pris ma place, donc maintenant ils me doivent cet argent. Hé, hey, les chatons! Rendez-moi tout ce que vous avez dans vos poches, tout de suite. On n'a rien dans nos poches. On a tout donné à l'entraîneur dans la caisse. Vous nous prenez pour des imbéciles? Donnez-nous le reste!
Vous pensez que vous allez nous berner? Donnez-nous le reste. Non, on n'aura rien à manger. On peut vous payer demain. Maman te nourrira à la maison. Allez, rends-moi l'argent. Oh. Oh, regarde qui n'est plus fauché. Allons à la cantine. Miaou! Hé, Phil, allons à la cantine. Je veux pas y aller. Cousia et Archie sont là et ils vont nous soutirer encore. Alors, on va devoir se défendre. On peut pas les laisser gagner. Se défendre? Ils sont plus âgés et plus forts que nous. Si on n'essaie pas, ils continueront à nous considérer comme des pigeons. Ouais, si on essaie, on aura un œil au beurre noir, je te dis. Arrête d'être un lâche. Tu veux de l'argent de poche tous les jours? Très bien, on peut essayer. Pardon, regarde qui parle. Regarde, ils se goinfrent avec notre argent. Qu'est-ce qu'on fait? On devrait leur parler comme des hommes. Viens, après toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous voyez pas que la cantine est occupée? On veut que vous nous rendiez notre argent. Ouais, rendez-le. Regardez, les petits chatons, tout à coup, ils ont du courage. C'est pas la peine, votre argent est déjà disparu. Votre argent est passé d'ici à ici. Nous ne partirons pas tant que... Tant que quoi? Allez, dis-leur. Tant qu'on vous aura pas frappé au visage. Phil, qu'est-ce que t'as fait? Oh, j'aurais pas dû dire ça. Ah ouais? Redis ça un peu pour voir. Bien joué, Phil. Pourquoi t'as dit ça? Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. C'est ta faute, si c'était pas pour ta grande gueule, ça serait pas arrivé. Oublions l'argent et allons en classe. C'est l'heure de la première tâche, t'es prête? Oui, qu'est-ce que je fais? Très simple, mets cette lettre dans le casier de Cousia. Et qu'est-ce que c'est? C'est une confession d'amour de la part de Gelia. T'as le béguin pour Cousia? Je le savais pas. Ouais, lui aussi il m'aime bien, seulement il ne le sait pas encore, tu vois. Écoute, selon moi, une note, c'est pas la meilleure façon de confesser ton amour. Dommage que c'est pas à toi de décider, Léona. Ouais, remets cette lettre et on sera amis. Ne mélange pas les casiers. C'est bon, je m'en occupe. Vas-y, on va faire le guet. Crotte, il est où le casier de Cousia? Allez, l'escargot, ça te dérangerait beaucoup de te dépêcher un peu? T'as des problèmes? Non, tout va très bien. J'imagine que c'est celui-ci, ils ont tous leur pareil de toute façon. Voilà, c'est fait! Bien, Cousia et Archie s'amènent. Maintenant, il va lire ma lettre et découvrir mes sentiments d'une seconde à l'autre. Léona, dans quel casier t'as mis la lettre? Bah, dans le casier de Cousia, comme vous me l'avez demandé. Alors explique-moi pourquoi Archie me regarde et pas Cousia, hein? Peut-être qu'ils ont changé de casier? Ou peut-être que tu t'es trompée. T'as gâché ma vie, pétasse! Dégage de ma vue! Alors, on n'est pas amis? Non, on n'est pas amis! Dégage! Je peux t'aider à organiser un rendez-vous avec Cousia? Non, t'en as déjà assez fait, tu penses pas? Mais je suis une spécialiste dans les rendez-vous! Je te jure que je peux t'aider à sortir avec lui! Tu ferais mieux de sortir, sinon tu vas le regretter. Des menaces? C'est chic! C'est pas des menaces, c'est réel! Sors d'ici! C'est la fin! Je suis seule et personne n'a besoin de moi! Léona, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a une BFF, mais pas moi! Et Mila, je pensais que vous étiez amies, toi et elle. Eh ben, c'est plus le cas. C'est une longue histoire. Peut-être que moi, je pourrais être ton amie? Vraiment? Ta meilleure amie ne t'en voudra pas? En fait, je n'ai pas de meilleure amie, moi. Super! Alors on peut être meilleure amie, toi et moi! Cool, mais que font les meilleures amies? Bah, tout ce qu'elles veulent! Par exemple, qu'est-ce que tu préfères faire, toi? J'aime lire, les concours d'art oratoire... Bla bla bla, c'est des trucs ennuyeux, ça. Et le shopping, les hommes, le maquillage, ça t'intéresse? Un peu, oui. Super, alors on sera de très bonnes amies. Miaou. Classe, allez, dépêchez-vous, prenez place. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? C'est Cousia, il m'a fait trébucher. Cousia, c'est vrai ça? Oui, mais c'était un accident. Lui et Archie nous ont tabassés pendant la récré. Archie, regarde-moi, c'est vrai? Je peux pas le nier. C'est ce que je pensais. Après les cours, vous allez voir le directeur, Illico. Oui, mademoiselle. Bande de nigauds, vous répondrez de ça à la pause.
Je ne comprends pas, Luna. C'est ma place, ça. Ah, plus maintenant. Désolée, mais Léona a dit que c'était ma place. C'est bien vrai. Ma BFF devrait être assise à côté de moi. Ah, alors c'est donc toi, la nouvelle amie de Léona, hein? T'énerve pas. Tu veux changer de place? Non, ne te dérange pas. En fait, je te dois des remerciements. J'ai plus à tolérer cette narcissiste maléfique à côté de moi. Et tu devrais aussi savoir que ta nouvelle meilleure amie est une voleuse. Ne l'écoute pas, Luna. Cette folle ne sait pas de quoi elle parle. Hé, qui a jeté ça sur moi? Oh tiens, un mot d'amour. Merci tellement, Léona, d'avoir ruiné ma vie. Gélia, qu'est-ce que tu dirais de sortir au ciné ce soir? Non, lâche-moi! Oh, une fille avec un caractère, j'adore. Oh, c'est le cauchemar, c'est le pire jour de ma vie. Tout le monde se tait. Les commérages, ça se passe à la récré, d'accord? À cause de vous deux, les mouchards, la maîtresse me prend pour un con. C'est ta propre faute, t'aurais pas dû trébucher Choc. D'abord t'as ruiné ma carrière sportive, puis ma relation amoureuse, c'est ça? Ça t'amuse? Mais de quoi tu parles? Tu le sais très bien, à cause de vous deux j'ai des problèmes constants. Allez tiens, assieds-toi là et réfléchis à ton comportement, espèce de petit salaud. Hé, quelqu'un! Laissez-moi sortir! Phil, t'es là-dedans? C'était Cousia, c'est lui qui m'a mis ici! Ça suffit, je vais lui donner une leçon. Non Choc, j'en ai assez d'un œil au beurre noir. T'inquiète pas, on sera prêt cette fois. Kitty, j'ai besoin de ton aide, tout de suite. Calme-toi, t'as ruiné ma photo, qu'est-ce qui se passe? Archie me jetait des mots d'amour pendant toute la leçon. Je suis fatiguée de lui, je ne veux même pas qu'il me voie. Rejette-le, c'est tout, quel est le problème? Ben j'ai essayé, mais il ne m'écoute pas du tout, tu dois m'aider. Viens, cache-toi derrière ça. Salut Kitty, est-ce que tu saurais où Gélia est passée? Non, je l'ai pas vue. Mais vous êtes meilleure amie. C'est juste son amie, pas sa mère. Je n'ai pas toujours les yeux sur elle. Zut, je voulais lui demander à sortir. Pourrais-tu lui rendre cette invitation? As-tu pensé à demander à une autre fille? T'es pas vraiment son genre. C'est absurde, alors pourquoi elle m'aurait laissé cette lettre d'amour? C'est bon, je vais la chercher. Gélia! Il est parti, tu peux sortir. Tout ça à cause de cette sale lettre! Léona a vraiment gâché ma vie! Si Archie veut sortir avec une fille à ce point, t'as qu'à trouver Léona et les mettre ensemble! C'est vrai! Je me rappelle qu'il avait le béguin pour elle autrefois! Ouais, alors débarrasse-toi d'Archie, mets-le avec Léona! Je sais quoi faire! J'espère que mon plan fonctionnera! Archie, j'espère que ces délicieux chips te montreront ce que je ressens. Léona. Léona même, après tout. On oublie Gélia. Léona, j'arrive. Ouf, ça marchait. Enfin, je me suis débarrassée de cet ennuyeux loser. Mila ne sait pas du tout comment s'habiller. Elle a aussi des goûts horribles en matière de garçon. C'est incroyable que vous soyez restés amis tout ce temps. J'y comprends rien moi-même, traîner avec cette loser toutes ces années. Léona, on dirait que quelqu'un veut te voir. S'il s'agit de cette Mila, qu'elle s'en aille. C'est pas Mila. Léona chérie, j'ai reçu ta lettre et merci pour les chips. Quelle lettre? De quelles chips tu parles? Ne fais pas semblant de pas savoir. Mais j'ai jamais écrit cette lettre. Tu reconnais cette écriture, toi? Ouais, on dirait l'écriture de Gélia, oui. Oh, elle a décidé de se venger contre moi, choquant. J'accepte de sortir avec toi. Selon notre relation avec un baiser, tu veux? Viens ici. Wow, 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 retiens un peu tes chevaux, mec. Oh, allez, tu peux admettre que t'es folle de moi. Mais qu'est-ce que... Allez, on doit y aller. Remettons ce baiser à plus tard. Ah ouais, à quand? Qu'est-ce que tu fais? Oh, bientôt, bientôt, t'inquiète pas. Je ne savais pas que Léona avait le béguin pour Archie. Non, elle n'a pas le béguin pour lui. Elle sort avec lui seulement pour m'embêter, j'en suis certaine. Oh, et ça ne te fâche pas? Bien sûr que non. Pourquoi je serais fâchée? Mila est complètement effondrée, je dois lui remonter le moral. Et je pense savoir comment... Le rouge à lèvres de Mila devrait être ici quelque part.
Où est-il? Ah, il est là! Temps de le rendre à son propriétaire légitime. Mila, mais pourquoi tu pleures? D'abord, elle me vole mon rouge à lèvres préféré et maintenant, elle m'a enlevé mon petit ami! Mais c'est mon rouge à lèvres! Où tu l'as trouvé? Dans le casier de Léona. Aujourd'hui, on retrouve ton rouge à lèvres et demain, on retrouvera le garçon que tu aimes. Oh merci, t'es vraiment une bonne amie! À quoi tu penses, mec? À la fille de mes rêves. La professeure? Ouais, Madame Nika est trop bien. Elle est tellement... rien à voir avec les filles de la classe. Tu craques pour la fille que tu pourrais jamais avoir. Eh ben, le cœur a ses raisons. Mec, oublie ça. Après la farce avec Phil et Chuck, elle ne te laissera même pas entrer avec un coup de canon. Je pensais à l'inviter au ciné plus tard, en tant qu'ami. Naïf, tu penses qu'elle s'intéressera à toi? Je reculerai pas, je veux me battre pour ce que je veux. Tu sais que tu risques d'être renvoyé pour ça, mec? Qui me renvoie? Je m'en fiche. Si c'est pas toi, c'est elle qui vont virer. Ben, j'ai pas le temps de bavarder avec toi. Mademoiselle Nika a une classe libre, je dois aller la voir. Idiot. Toi-même, idiot. Oh, Kuzia, as-tu des questions concernant la leçon? Non, je voulais seulement vous parler. Il t'est arrivé quelque chose? Non, je voulais... Kuzia, parle plus vite, tu vois pas que j'ai du travail à faire? Êtes-vous occupé ce soir? As-tu besoin d'un tuteur? Je ne fais pas ça. Tu ferais mieux de demander à Alice de t'aider, si tu as besoin. Je voulais vous inviter à aller au ciné. Tu veux organiser un événement pour la classe? C'est louable. En fait, je pensais plutôt vous et moi. J'avais un billet supplémentaire, alors je me suis dit, Mademoiselle Nika, pourquoi pas? Désolée, Kuzia, mais je suis très occupée ce soir. Tu devrais plutôt inviter une fille que tu aimes. Mais c'est ce que je fais. Je suis en train d'inviter une fille que j'aime beaucoup. Jeune homme, de telles paroles à l'enseignant, c'est inacceptable. Mais quoi, madame, vous me plaisez? Une relation entre un professeur et un élève, c'est absolument inacceptable. Maintenant, c'est terminé, je ne veux plus rien entendre. Mince, j'ai tout gâché. Oh! Désolé, j'ai pas pu me retenir d'écouter aux portes. Comme je te l'avais dit, elle t'a repoussé durement. Ne t'imagine pas que je vais arrêter là. Tôt ou tard, Mademoiselle Nika sera à moi. T'es prêt? Ouais! Mais c'est quoi ces conneries? Kuzia, je t'appelle ici et maintenant, sois un homme! Qu'est-ce que j'entends? Le petit chaton veut se battre à nouveau? Bagarre, bagarre, il va y avoir une bagarre! Bagarre, bagarre, bagarre! Kuzia, montre-lui qui est le patron! Allez, file! Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, petit chaton, montre tes griffes! C'est tout ce que t'as? Maintenant, c'est mon tour! Allez, Kuzia! Je suis mort! Qu'est-ce qui se passe ici encore? Kuzia, il a commencé une bagarre! Quoi? Kuzia, tu recommences? Laisse-le partir! Mais c'est lui qui m'a défié de le battre! Ça va, Phil? Oui, merci, madame. Kuzia, tu veux savoir? Même si je n'étais pas ton enseignante, je ne sortirais jamais avec une telle brute! Les amis, aidez-moi. Est-ce que je devrais abandonner Madame Nika? Écrivez-moi dans les commentaires.